Et salut, alors dans cette vidéo on va parler de l'ordre de liaison ou du nombre de liaisons, hein, il y a deux mots, euh, la configuration électronique, du magnétisme et euh, du type d'orbital. Euh, donc en fait, une fois qu'on a obtenu euh, ces graphiques d'orbital moléculaire, donc celui-ci et celui-ci, ce sont des exemples, il hein, y en a bien d'autres, en soi, ça ne sert pas à grand-chose, c'est leur interprétation qui va servir à quelque chose, et justement, tout ça, c'est leur interprétation, c'est comment interpréter ces diagrammes en quelque sorte. Alors vous remarquez que sur ces diagrammes, je n'ai pas mis euh, les petits dessins, normalement ils sont censés y être, alors là, c'était pour que ce soit plus clair, mais en vrai, hein, vous mettez les bien. Donc du coup, on va commencer. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer euh, le nombre d'électrons de valence, hein, bien sûr, parce que ces diagrammes ne représentent que les orbitales qui correspondent aux électrons de valence. Alors l'oxygène, il a combien d'électrons de valence Alors, soit vous regardez le tableau périodique, ou soit vous le connaissez, l'oxygène, il en a 6. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remplir, ça en fait, ce sont des orbitales, mais ces orbitales, vous pouvez les interpréter comme des cases quantiques en fait. Donc une case quantique, comment on la remplit On la remplit comme ça. 1, 2. Alors, une case quantique, qu'elle accepte deux électrons. Et pour rappel, parce qu'il y a des petites propriétés à savoir. Alors, le principe de Pauli, il nous dit qu'il y a deux électrons dans une case quantique. Donc, ça, c'est bien le cas. C'est-à-dire que dans une orbitale, ici, on peut mettre deux électrons, donc deux flèches. Et euh, la règle de Hund, elle nous dit que les électrons, ils préfèrent être seuls et parallèles euh, dans une orbitale. C'est-à-dire que là, par exemple, on a trois orbitales. Et bien, ils vont préférer d'abord être seuls et parallèles, donc seuls et dans le même sens. Et après euh, bah, être complété. Alors justement, on va voir ça. Donc euh, pour rappel, il y avait 6 électrons de valence. Donc 1, 2, 3, comme ceci. Donc une flèche vers le haut à ce niveau-là. Ensuite, étant donné qu'il préférait être seul dans chaque casque quantique, là on a une autre casque quantique. Donc 4. Ensuite, une troisième 5. Et euh, bah, du coup, on va finir par compléter la première casque quantique. Donc on met une flèche vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, on remplit celle-là, il y en a deux, celle-là, il y en a un, et celle-là, il y en a un. Du coup, on pourrait faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça. Regardez, j'ai même plus assez de place tellement qu'il y en a. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre d'électrons total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va remplir en fait les 12 électrons là-dedans. Donc on va le faire tout de suite. 1. 2 donc là il y a une seule orbitale donc ils sont obligés euh, d'être euh, elle est obligée d'être remplie en quelque sorte ensuite celle-ci donc 3 4 ensuite celle du dessus encore une fois donc 5 6 7 8 donc là il y en a deux on commence par les remplir euh, seuls et parallèles et ensuite on les complète donc 7 8 ensuite 9 10 2 4 6 8 10 12 voilà euh, j'ai fini en fait ici j'ai dû me tromper dans, ma, dans mon comptage. Donc du coup, maintenant qu'on en a 12 ici, on hein, vous rappelle 6 ici et 6 ici, donc on doit en mettre 12 sur l'orbital moléculaire euh, O2. D'ailleurs, je ne l'ai pas nommé. Là, c'est O2 ici. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va chercher l'ordre de liaison. Alors l'ordre de liaison, c'est quoi Nombre d'électrons sur des couches liantes, moins nombre d'électrons sur des couches... Alors ça, c'est anti-liante. J'ai marqué AL pour euh, qu'on puisse le voir. J'avais n'avais pas assez de place. Sur 2. Alors nombre d'électrons sur une couche liante. Alors là on a sigma liant, on en a deux, donc deux. Ensuite là on a deux sigma liant. Donc là on en a encore deux. Alors remarquez là, j'ai pas mis le petit L et là en dessous de sigma étoile, j'ai pas mis le petit AL. L. On sait que s'il y a une étoile, ça veut dire anti-liant et s'il n'y a pas d'étoile, ça veut dire liant. Donc du coup, je reprends ma co mon comptage donc 2 3 4 5 6 7 8. Donc ça c'est la liaison pi liant, pi x liant et pi y liant, ou 1 pi liant et 2 pi liant, peu importe comment vous l'avez appelé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y, y a 8 électrons sur une couche liante. Ensuite, on va regarder sur les couches anti-liantes, donc sur les couches en fait, qui comportent des étoiles. Donc, celle-ci, là, c'est sigma étoile, donc 1, 2. Et là, il y en a 2 sur cette couche, euh, donc avec une étoile, 1, 2. Donc, 1, 2, 3, 4, donc moins 4. Évidemment, je mets le tout sur 2. Et ça, ça me donne combien Donc 8 moins de 4 ça fait 4. Et 4 sur 2, on trouve 2. Donc l'ordre de liaison est égal à 2. Alors l'ordre de liaison, c'est quoi concrètement C'est le nombre de liaisons qu'on aura au total dans la molécule. Et en effet, regardez, si je dessine euh, donc euh, la molécule de O2, et eh ben on aura quoi Alors je vais la dessiner en bleu clair. On aura ça en fait. On aura O, O comme ça comme ça si vous faites les wis vous trouvez ça et en effet là regardez on a un 2 et là on a deux liaisons euh, entre les molécules donc au final ce nombre vous donnera le nombre de liaisons qu'on aura entre les atomes pas entre les molécules ensuite on va regarder la configuration électronique alors euh, là c'est pas très compliqué en fait il va seulement falloir euh, nommer les orbitales donc on va le faire ensemble je pense que vous comprendrez mieux donc du coup là on a un sigma on est sur la couche 1 sigma donc j'écris 1 sigma, comme ceci. Et là, combien on a d'électrons 1, 2, on en a 2. Donc, entre parenthèses, je vais mettre puissance 2, comme ceci. Ensuite, là, on est sur la couche 1 sigma étoile. Donc, on va de bas en haut. 1 sigma étoile, on a combien d'électrons On en a 2. On compte le nombre de flèches hein, qui représentent les électrons. Donc, 1, 2, donc 2 électrons. Donc, j'ai oublié la petite étoile ici. Ensuite, euh, sur 2 sigma, on a 2 électrons ici. Donc, 2 euh, sigma puissance 2. Ensuite... Sur pi X, on a deux électrons, donc un vers le haut, un vers le bas et sur pi y, pareil. Donc pi x puissance 2, pi y puissance 2. et ensuite sur euh, pi x étoile parce que rappelez-vous, celle du bas c'est X, Donc pi x étoile étoile comme ceci, elle en a deux. Vous aurez pu appeler ça euh, 1 pi pour pi x et 2 pi pour pi y et 1 pi étoile pour pi x étoile du coup. Alors en fait je viens de me rendre compte que je me suis trompé. on a une flèche sur pi x étoile et une flèche sur la couche pi y étoile. Du coup en fait dans la configuration électronique, on mettra à la fin pix étoile puissance 1 parce qu'une flèche sur pi x étoile et comme on a une flèche sur pi y étoile, on mettra pi y étoile puissance 1 aussi. Donc, j'espère que vous avez bien pris note de cette petite correction. Dans la suite de la vidéo, je laisserai du coup le truc faux. Donc, maintenant, une fois qu'on a ça, donc ça c'était euh, du coup la configuration électronique. Maintenant, on va s'intéresser au magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est quoi En fait, c'est pas très compliqué. Vous avez deux choix soit c'est paramagnétique ou soit c'est diamagnétique. En fait, une molécule paramagnétique, ça veut dire qu'il va y avoir dans cette molécule des électrons célibataires. Et si elle est diamagnétique. Tous les électrons sont en couple. Alors, mon petit moyen mot technique, c'est que dans paramagnétique, il y a le mot para, ça fait penser à parapharmacie. Et euh, bah on va à la, la parapharmacie quand on est malade. Et euh, du coup, malade, quand on est malade, on reste tout seul. Généralement, on ne sort pas, voilà, pour ne pas transmettre la maladie. Donc du coup. Paramagnétique, c'est quand il y a euh, des électrons célibataires dans la molécule. Et diamagnétique, c'est quand tous les électrons sont en couple. Alors là, regardez, là, ils sont en couple ici, parce que, en fait, pour savoir si les électrons sont en couple ou pas, il faut que sur la même orbitale, donc sur le même tiré comme ça, j'ai une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Donc ça, ça veut dire qu'ils sont en couple. Donc là, flèche vers le haut, flèche vers le bas, ils sont en couple. Là, ils sont en couple aussi. Là, ils sont en couple. Là, regardez sur celle-ci, j'ai une flèche vers le haut comme ça et une flèche vers le bas ici. Donc ils sont en couple. Là, c'est la même chose. Et là, regardez ce que j'ai, c'est que j'ai un électron qui est tout seul sur celle du bas et un qui est tout seul sur celle du haut. Alors, au final, j'ai deux électrons tout seuls. Donc, euh, bah, étant donné qu'ils sont tout seuls, ça fera une molécule paramagnétique. Deux électrons tout seuls, on s'en fiche qu'ils soient deux à être tout seuls. Ici, il y en a au moins un tout seul. En l'occurrence, là, il y en a deux tout seuls. Donc, du coup, c'est paramagnétique. Voilà. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de s'intéresser au type d'orbital. Alors, le type d'orbital, comment ça marche Tout simplement, alors, si justement, on est en présence d'une molécule paramagnétique, donc on regarde simplement la seule orbitale qui est ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit que sur chaque orbital il y a un électron célibataire. Donc s'il y a un électron célibataire, vous vous posez pas de question. c'est orbital SOMO. Alors en fait quand je dis type d'orbital, on va peut-être un peu plus définir ça. Il y a trois types d'orbitales, il y a l'orbital Lumo, l'orbital SOMO et l'orbital Homo. Alors, l'orbital, lumo c'est quand il y a zéro électrons qui occupe l'orbital. SOMO, un électron qui occupe l'orbital. Et HOMO, deux électrons qui occupent l'orbital. Du coup, euh, quand vous êtes dans, un, dans une configuration paramagnétique, bah, de base, en fait, vous vous dites que c'est SOMO, voilà. C'est pas très difficile. Donc là, c'est SOMO. Mais je pense qu'on verra mieux dans cet exemple-là, euh, ces histoires de l'UMO et de Homo. Parce que là, en fait, du coup, dites-vous que quand c'est paramagnétique, c'est SOMO. Pourquoi Parce qu'il y a un électron et un électron. Donc au final, un seul électron qui occupe les orbitales en l'occurrence. Donc du coup maintenant on va faire un deuxième exemple avec celui-ci qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux compléter tout ce qu'on avait vu. Alors là on est en présence d'une molécule CH2 coudée, c'est pour ça qu'on obtient un tel diagramme. Alors là on a C, là on a H2, et du coup j'ai oublié au milieu, mais on aurait CH2 comme ceci. Donc les orbitales moléculaire qui correspondent à CH2 ici. Donc dans un premier temps, combien le carbone a d'électrons de valence Alors il en a 4, donc simplement comme tout à l'heure je remplis donc un électron, donc les électrons qu'on représente par des flèches, 1, 2, 3 et 4. Alors pour rappel les électrons ils préfèrent être tout seuls euh, dans une case. Donc là il y a une case, là il y a une autre case, donc ils préfèrent être tout seuls comme ça. Et ensuite euh, pour H2, alors pour H2, comment ça marche Là rappelez-vous on a OF1 et OF2. Et OF1 et OF2, ils représentent un H et là un H. Et pour H et H, combien on a d'électrons de valence Dans les deux cas, on en a un seul. Donc au final, on en aurait deux. Donc si on représente le diagramme d'orbital moléculaire pour la molécule H2, on aurait deux électrons. Et donc les deux, on les mettrait en bas. Donc les deux seraient sur OF1. Donc hop et hop voilà je représente ça comme ça. Alors du coup maintenant on va compter le nombre d'électrons qu'on a au total, on en a 1 2 3 4 5 6. Du coup bah au milieu on va mettre 6 électrons en commençant par le plus bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, comme ceci. Maintenant, du coup, on va calculer l'ordre de liaison. Donc, nombre d'électrons sur une couche liante. Alors, là, on a 1 sigma, donc sigma c'est liant. Là, on a 2 sigma, sigma c'est liant. Là, on a 3 sigma. Attention, là, c'était quasi non liant. Quand c'est quasi non liant, c'est ni liant ni anti -liant. Du coup, on ne va pas les compter. Donc, là, liant, liant, là, on ne compte pas. Là, anti -liant, là, anti -liant. Donc, là, on en a deux. là, on en a deux. Donc 4 électrons liants, donc OL est égal à 4 moins combien, moins nombre d'électrons sur des couches antiliantes. Là, une couche antiliante, il y en a 0. Là, une couche antiliante, il y en a 0. Donc moins 0, donc sur 2, hein, on ne compte pas la couche quasi non liante. Et donc du coup 4 moins 0, donc 4 sur 2, on trouve 2. Et du coup c'est cohérent avec la réalité. Pourquoi Parce que si je dessine cette molécule, donc la molécule CH2, on trouve quelque chose comme ça, donc CHH. Et là, une liaison. Et regardez, là, bon, ça c'était un 2. Hein, je vais mieux le faire peut-être. Donc là, on avait un 2, ce qui signifie qu'il y a deux liaisons. Et là, en effet, on en a bien une et deux comme ça. Attention, on ne compte pas euh, ces doublés non-liants. Hein. Ce sont bien les liaisons entre les atomes. Ensuite, on va parler de la configuration électronique de cette molécule. Alors, comment je peux représenter ça bah, Simplement, comme tout à l'heure. Hein, là, c'est quoi Là, on a un sigma. Donc, un sigma. Il y a combien d'électrons sur la couche 1 sigma, il y en a deux. Ensuite, combien d'électrons sur la couche 2 sigma, il y en a 2? Donc 2 sigma, il y en a deux. Et on part de bas en haut. Sur 3 sigma quasi non-liantes, il y en a combien Il y en a deux, encore une fois. Et là, il y en a 0. Là, il y en a 0, là il y en a 0. Du coup, on continue pas, on s'arrête là. Donc maintenant on va chercher le magnétisme. Alors on va chercher si on a des électrons célibataires, hein, rappelez-vous. Donc là, on a deux électrons qui sont en couple, là deux électrons en couple, c'est-à-dire que on a sur un même tiré deux flèches dans un sens opposé. Donc là c'est bien le cas, on a bien deux. Deux flèches sur un même tiré, deux flèches sur un même tiré, deux flèches sur un même tiré, donc tous les électrons sont en couple, et étant donné qu'ils sont tous en couple, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est diamagnétique. Donc du coup, ça, c'est diamagnétique, comme ceci. Voilà, alors maintenant, on va s'intéresser au type d'orbital qu'on a. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est que, étant donné que c'est diamagnétique, on va regarder. La dernière orbitale remplie, hein, comme ici, en fait au final on regarde la dernière remplie, sauf que comme celle-là elle est remplie à fond, on va regarder celle du dessus également. Voilà, du coup on va regarder celle-ci et celle-ci. Alors là on se rend compte quoi On se rend compte qu'on a deux électrons qui occupent l'orbitale. On a une orbitale avec deux électrons, donc au final deux électrons, on avait dit que c'était homo. Donc cette orbitale c'est une orbitale homo. Et celle du dessus du coup c'est quoi Celle-ci... Il y a combien d'électrons dans cette orbitale, il y en a 0, bah, il n'y a pas de flèche. Du coup, étant donné qu'il y en a zéro, c'est une orbitale LUMO. Cette orbitale-là, c'était une SOMO. Et au final, c'est cohérent parce que là, on avait un seul électron à chaque fois sur donc, les deux dernières en l'occurrence euh, orbitales, moléculaires. Et là, sur la dernière orbitale moléculaire, on en a deux. et là, on en a 0. Donc, au final, ce que vous pouvez vous dire, c'est que si c'est paramagnétique, c'est SOMO. Et si c'est diamagnétique, il y en aura une qui est HOMO et l'autre qui est LUMO. Et donc là c'est bien ce qu'on voit. Donc j'espère que vous avez bien compris tout ça, il y a pas mal de nouveaux trucs, mais c'est pas très difficile, on suffit de le faire plusieurs fois et on comprend rapidement. Donc si vous avez tout bien compris, tout, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Euh, si vous avez des questions, des n'importe quoi, vous laissez dans les commentaires. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Cette fois on en a vraiment fini avec ces diagrammes de mort là. Du coup à plus.